artisanat en fait, parce que nous venons ça avant ça. Tu es dans livre en folie, tu es dans musique en folie, tu es dans vol au vent. Nous venons toujours à faire des activités qui en principe pas activité normale, un journal qu'on fait, mais qui en même temps tout, c'est activité qu'on monde qui dans la société a, qui pour le faire, qui sont acteurs dans la société a, qui trouvent que des secteurs faut le supporter, faut l'appuyer, mais faut le mettre devant. Et c'est comme ça que nous avons choisi l'artisanat pour nous mettre devant. Là, nous avons la 11e édition artisanat en fait, nous commençons depuis 2007. Et artisanat en fait, nous avons dit bilan positif. Là, nous avons l'évolution du travail artisan, là, nous avons des fréquentations. Et là, nous avons dit constance artisan, nous avons à la fois amélioré ça fait comme travail et nous avons continué d'accord venir chaque année dans l'artisanat en fait. Ce n'est pas une différence vraiment dans l'édition ou l'autre. C'est le même artisan la plupart du temps, c'est le même matériaux. C'est même produit à présenter, mais sur l'autre sujet. Nous continuons à changer parce que la couleur a changé, la forme a changé, le modèle a changé, le travail a changé et de temps à autre, il y a des nouveaux artisans qui viennent. Mais en majorité, c'est papa qu'on fait, grand-papa qu'on fait, petite la vie fait. Artisanat, c'est qu'on s'allie dans l'atelier, dans le quartier, dans la zone côté artisanat. C'est une transmission fait et une continuité qu'on fait, mais on a changé le modèle, on a changé la forme. Bon, il n'y a pas payé, c'est invité. Il y a 12 000 que nous invitons à l'instant, à la fois élèves, à la fois étudiants de l'université et les gens qui sont dans l'école professionnelle. L'autre monde, c'est payer pour entrer dans l'artisanat en fait, ou bien son sponsor qui a un cadre pour entrer dans l'artisanat en fait. Il y a l'autre artisan qui vient, continuant sauvagement, venir mettre des marchandises à vendre, nous courir derrière eux, retourner. Nous ne sommes pas assez stricts parce qu'en fin de compte, tous ces artisans. Nous ne sommes pas les corps avec artisans et c'est peut-être ça qui fait toujours d'accord venir dans l'artisanat en fait. Artisans sont des gens qui n'ont pas besoin de gens qu'on a fait. Mais en même temps, s'ils viennent chaque année, s'ils reproduisent chaque année, s'ils viennent revendre chaque année, si le public vient chaque année, c'est parce que le public là et artisans satisfaits de ce qui a passé là. Artisanat en fait, son activité entre pays liés. C'est-à-dire c'est pas sous chaîne parce qu'on passe au monde ou à la palavel. Ou sur ta carreau, payer comme ou entrer ou venir dans l'activité. C'est parce que nous tous deux, et les gens qui viennent vendre et les gens qui viennent acheter, ils sont satisfaits de l'échange qui fait là. Mais nous n'avons pas qu'une statistique sur est-ce qu'on vend, est-ce qu'on vend en pile. Même si on ne vend pas, si on ne vend pas assez, on ne vend pas tout. À la fin, d'abord, les gens qui fait un événement exister, c'est l'institution privée. DIGICEL, c'est une première qui l'a depuis 2007. Et Unibank, Rombard Bancou, le Nouvelis. Après ça, le ministère de l'État. Parce que l'artisanat ici, il est régulé par le ministère, que le ministère des Affaires sociales. Il était sponsor dès le début tout de travail qu'a fait dans l'artisanat en fait. Ambassade de Taïwan avec nous tout depuis le début. Et au fur et à mesure que l'artisanat en fait a continué, il y a des ministères qui finissent par comprendre que l'artisanat, son profession liée, son métier, son secteur d'activité, c'est exportation, c'est travail, c'est des gens qui se servent faire pendant toute l'année. Et au même temps, ils viennent partenaires. Je dis à Anessa, il y a la BID, Banque Interaméricaine de Développement, qui vient nous rejoindre dans ce cap fait là. Et la BID veut aller plus loin avec l'artisanat. Parce qu'actuellement, dans toute l'Amérique latine, on rend compte que l'identité culturelle pays, l'industrie culturelle pays, ont une valeur très importante, d'autant plus que les différents d'un pays en l'autre. Sous un facteur qui a fait maillot, dans tout pays sur la terre, a fait maillot. On a travaillé artisan ici à faire avec faire découper, on va faire le quel autre côté sur la terre. Ça vient de travailler ça, on valeur spécifique, et en plus de valeurs spécifiques qui sont valeurs. On a dit spirituel, si c'est pas évolué à faire, ou bien culturel, parce que c'est comme ça que grand-papa a fait, mais le grand valeur économique, tout. Projet nous, c'est le pilon avec l'artisan, pour le travail qu'on fait là, une grande valeur économique, des retombées économiques pour eux-mêmes, pour payer en termes de devises et d'exploitation. Il y a à peu près 12 à 15 000 personnes qui passent là dans deux jours. Mais les activités sont activités couvertes pour tout le monde venir. Le président était candidat de venir l'année dernière. Pour le président de venir, nous sommes très contents que pour la première fois, mon président est lui qui vient dans l'artisanat en fait. Mais l'artisanat en fait ouvert pour tout le monde qui est venu. Et dans 12 à 15 000 personnes qui sont venus sous deux jours, je crois que tout ce secteur-là, tout ça voulait venir. Parce qu'il faut venir pour venir. Ça, c'est remettre la première société, un bagage que nous estimons que nous devons. Nous venons, ça fait des fois depuis 1995. Là, ça a média pour qu'on a une transition sur Abdila. Livre en folie, je dis, qui vient une plus activité publique haïtienne organisée, nos cadres fermés. Pas fait pour Nouvelis entre corps. Au contraire, c'est dépenser Nouvelis, dépenser corps. Sponsor vient aider nous couvrir en partie de frère. Mais c'est implication sociale nous qui fait nous faire. Mais c'est mon but économique que nous avons poursuivre. Là, par exemple, Nouvelis pas gagné la vente. Même journal Nouvelis pas vendre l'artisanat en fait. Tout comme dans Livre en folie, même journal Nouvelis pas vendre. Quand nous voulons aller avec l'artisanat en fait, là, c'est dans le ciel là. C'est-à-dire chaque année, nous souhaitons monter en marche en plus,
pour artistes satisfaits, pour le public qui vient satisfait, pour organisateurs satisfaits, pour nous montrer un match en plus.